Madame, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de vous avoir nombreux à scotcher sur vos téléphones, sur vos devices que vous me suivez. Merci pour tout le monde qui est en train de nous appeler. Merci pour le soutien que vous ne cessez de nous faire. Les abonnés commencent encore une fois de plus à revenir. Merci beaucoup. Maintenant que nous sommes permanemment sur le réseau, donc nous allons commencer à vous venir tous les deux jours parce que nous avions mis en berne un peu, encore une fois de plus, le projet dont je vous parlais dans le passé qui devra être relancé au mois de juin de cette année. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi, chers amis? Nous allons parler, encore une fois de plus, de l'état de siège, de l'insécurité à l'Est, de ces événements qui se tiennent à Nairobi, ces assises qui se tiennent à Nairobi, où il y a dialogue avec tous les groupes armés opérant à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons voir les pour et les contre de ces assises. Pourquoi est-ce que le président de la République a-t-il accepté encore une fois de plus d'aller à l'extérieur du pays pour causer avec ses propres frères? Et nous allons voir, nous allons apporter notre solution et nous allons vous montrer comment est-ce que le président de la République ne maîtrise pas la situation à l'Est. On est en train, au lieu de se mettre sur une table d'abord à Kinshasa et réfléchir et prendre les directives et analyser les choses pour que nous puissions maîtriser la situation et chercher finalement la solution. Parce que si on y va comme ça, en tâtonnant, nous n'allons pas trouver de solution. Donc, bref, dans cette introduction, nous allons parler de l'insécurité à l'Est et comment trouver une solution définitive à cette insécurité et à cette guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, avant d'aller un peu plus loin, mes chers amis, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer le sujet que nous avions dit. La guerre à l'Est et l'insécurité. Comment terminer la guerre et l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo? À tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Kinshasa, plus de 30 morts à la prison centrale de Makala en un mois. Et puis, Kasaï Oriental, à quelques jours de l'élection du gouverneur, la société civile dit non à la corruption. Et puis Kisangani, encore une fois la ville de Kisangani de nouveau replongée dans le noir. On va sur actualité.cd. La CENI dispose de beaucoup d'éléments susceptibles de lui permettre d'organiser les élections locales en 2023. Et puis Ituri, deux morts et une dizaine de personnes kidnappé par le présumé ZDF à Mangouba. On va sur Congo profond. Fin de Ramadan à Goma, toutes les activités dans les endroits publics interdites. RDC, suspension des contrats forestiers illégaux. Six anciens ministres de l'environnement dans l'œil du cyclone de la justice. On va sur 7 sur 7. Il n'y a pas de guerre en RDC. Gilles Linguette regrette l'exploitation malencontreuse de ses propos par des personnes instrumentalisées. Et puis, procès Tchebea, le verdict attendu le 11 mai. Assemblée nationale élit premier président André Mbata remplace Kabunda. On termine par Radio Okapi. La famille d'un jeune homme assassiné plaide pour la détention de son présumé meurtrier. Maïndombe, un voleur présumé lynché par une foule à Inongo. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parlant de l'histoire d'abord des accords de Nairobi avec les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, nous savons bien que ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Nous savons bien que ces accords avec le M23 datent de plus de, je sais pas, de 2016 ou 2014 là-bas. Donc,
Ce sont des accords que le M23 avait signé avec le gouvernement pour terminer les hostilités et pour que le M23 puisse rentrer et au fait être comme un mouvement politique. Et la cessation des armes, tout ça, de déposer les armes, il y avait un accord qui était concluant et puis... les hostilités à l'Est avaient essayé un peu de diminuer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y avait cette histoire-là? Pourquoi est-ce que les gens sont partis négocier à Nairobi? Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce que nous avions accepté d'aller causer à Nairobi pour une guerre qui se trouve chez nous? Ça, c'était la première erreur d'abord. Ça signifiait que nous les Congolais, le gouvernement congolais n'avait pas la maîtrise et ne pouvait pas maîtriser cette guerre-là de M23. Pourquoi on n'avait pas la maîtrise? C'est parce que notre armée était faible, c'est que notre armée n'était pas organisée pour faire face à une certaine rébellion. Parce que si nous comparons par exemple le rébellion que Mobutu avait maté à Kolwezi, à Moba, à Kamagnola et tout ça, excusez-moi, Mobutu avait l'armée, Mobutu avait tout, il ne pouvait pas avoir peur, il avait une armée forte, bien commandée, bien guidée, tout ça. Mais comparativement à Kabila, il faisait montre qu'il avait une armée. Mais les rébellions qui venaient ne venait pas justement de ce que d'une dynamique interne. La dynamique de nos rébellions aujourd'hui à l'est du pays, ce n'est pas de la dynamique interne. Ce sont des rébellions souvent commanditées par l'extérieur et nos pays voisins. Et nous avions accepté ça parce que quand vous regardez l'histoire à partir de 2016, à partir de 2006, ou disons... 96, comment est-ce que nous traversons cette période où notre pays s'est lié, donc le politicien, quoi, notre armée a été accompagnée par des armées étrangères qui avaient des intentions hégémoniques ou bien d'expansionnistes de leur empire ou quoi que ce soit sur notre pays. On nous a accompagnés pour chasser Mobutu en profitant justement de se dire que non, c'est le moment pour que nous puissions profiter de ce grand pays. Et tout ça, c'est la conséquence. Je parle des sources lointaines de cette guerre. Ainsi, pour aller un peu en avant, nous avions vu qu'il y a des choses que même l'armée de Kabila ne maîtrisait plus. Il ne pouvait plus faire face. Alors il a fallu qu'il soit aidé. C'est comme ça que ces commanditaires, les gens qui entretiennent encore ces guerres, lui ont proposé, venez ici. Venez ici parce que ici c'est un terrain neutre, vous allez causer. C'est ça le pourquoi de Nairobi. C'est que si les gens attendent que non, et disons ne comprennent pas pourquoi Nairobi, c'est comme ça, parce que les commanditaires sont dans notre armée. Ils vont vous dire que non, nous ne serons que en sécurité à l'extérieur. Nous allons aller à Nairobi ou sur un terrain neutre où nous allons parler. Pendant ce temps-là, c'est le gouvernement de Kinshasa qui finance même les voyages de tous ces leaders des groupes armés. Nous voyons bien que la Kinshasa ne maîtrise donc pas la situation. Kinshasa ne maîtrise pas ces acteurs-là. Il ne maîtrise pas. Pourquoi? Un, notre armée, Bissoba Congolais, Tolobake, Bele, Tolobaka Mingi. Armée Nabiso, Eza et armée, Eza organisé pour gagner guerre. Soyons conscients. Et quand nous commencerons à accepter nos faiblesses
Et cela, ça sera le début où nous commencerons à trouver des solutions à résoudre les problèmes de l'Est. Si nous savons que nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons pas nous engager dans l'option militaire parce que ces gens-là vont, vont rigoler de nous, ils vont se dire que non. Pendant tout ce temps, vous avez essayé de nous taper, mais vous n'avez rien fait. Nous sommes en train plutôt de contrôler. Cette guerre de l'Est ne terminera pas par les armes. Alors, quelles sont les responsabilités de tout un chacun de nous? La responsabilité d'abord de Kinshasa, c'est de reconnaître que non, je n'ai pas une armée qui peut terminer cette guerre sur l'option militaire. Mais quel est le plan que je dois prendre? C'est comme ça que j'ai dit, il doit y avoir une étude bien faite que les gens puissent réfléchir sur les besoins. Comment est-ce que faudrait-il infiltrer ces réseaux de rebelles pour finalement les exterminer ou bien les éteindre? Quelle est la politique appropriée pour terminer cette guerre? Avons-nous vraiment réfléchi? Qu'est-ce que nous devons avoir comme suprématie afin de mater toutes ces rébellions? Faudrait-il avoir beaucoup de militaires? Or, nous avons une armée qui n'est pas organisée. Donc, l'option militaire est aussi mbakatée. Ça, ce sont les faits. Mais lorsque nous nous cramponnons à nous dire que non, nous sommes en train de les taper, les lignes sont en train de bouger, l'état de siège a changé les choses, pendant que sur le terrain, rien n'est fait. Maloba, maloba, kaka, ya pamba. Tozo loba loba kaka, mais sur terrain, loko moko ezo sale mate. Et loko moko ezo sale mate, ba tueri ezo ko continue na Ituri, na Beni, parce que tout ce côté-là, vie eza malamute. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Quelle est la solution que nous, ici, nous avions dit qu'il fallait faire au lieu de commencer à tergiverser, à penser que la paix viendra de Nairobi et tout ça. Mes chers amis, en préparation, lorsque je suis en train de préparer cette émission, je suivais toutes les délégations qui sont à Nairobi là-bas. Je suivais leurs déclarations, je suivais même les chefs de milice. Il y a d'autres qui se disent que non, Batumsusu Bazali Kuna, Bango Batindeli Bangote, ba invitation, tout ça, ça devient une affaire que Batumsusu Bazoloba que non, ceux qui sont à Nairobi ont été choisis par le Rwanda. Beaucoup trop de discussions que non, Batumsusu Bazimbongo moi ebele, Batumsusu biso tozimbongo muke, tout ça, ce n'est plus de la paix. Ce n'est plus la paix qui est discutée là-bas, ça devient une distraction. Ça devient une distraction, ce qui se passe à Nairobi, c'est une distraction. Parce que être là, ça signifie qu'on va vous donner 15 000 dollars, 11 000 dollars, vous allez aller dans l'hôtel, vous allez faire ceci, tout ça. Et c'est de l'argent de la République qui est en train d'être gaspillé comme ça, pour des histoires qui ne vont rien aboutir. Je vous promets qu'à Nairobi, là, cette négociation va terminer en queue de poisson. Ou même, elle ne terminera pas parce que ces gens-là n'obtiendront jamais une résolution telle que nous allons faire ceci, nous allons appliquer ceci, ceci se fera comme ceci. Non. Pourquoi? Parce que toutes ces exigences-là feront à ce que le gouvernement de Kinshasa ne